Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un haul, un try on haul même, et j'ai en ma compagnie Lulu qui est à côté pour vous donner des indications sur la qualité du textile, si c'est bien, si ça vaut son prix et tout ça. Donc c'est parti. Donc la commande que j'ai faite vient intégralement de chez Gressy, c'est une e-boutique en ligne et donc c'est tenu par Cindy Gréziac et son copain Greg qui sont donc tous les deux des influenceurs, et donc je voulais tester leur e-boutique pour savoir si ça valait le coup ou pas, puisque j'ai vu quand même que les articles étaient assez chers, enfin je veux dire c'est pas le même prix que par exemple Jennifer ou ce genre de choses, donc voilà, je voulais savoir un petit peu si ça valait le coup. Du coup j'ai pris 5 articles et j'en ai eu pour 150 €, donc ça fait à peu près 30 € l'article. C'est hyper cher. Tu trouves ça cher? Oui. Pour la livraison, ça a été hyper rapide, je trouve, enfin, en 3 jours je pense, je l'ai reçu, je l'ai fait en point relais moi, parce que c'était moins cher la livraison. Et oui, parce que j'avais pas envie de payer 12 000 € de livraison, parce que quand même les frais de livraison sont assez chers, mais bon, je comprends puisqu'ils viennent de se lancer et tout ça, donc c'est pas forcément évident de gérer les frais de livraison, donc voilà. Ouvrons et après je vous parle. Oh, bien. C'est dans des petits trucs noirs. Donc je sais pas si vous allez voir, mais ouais, c'est du coup dans du papier de soie. On voit rien du tout, mais les articles sont emballés dans du papier de soie. Voilà, et bah du coup prenons le premier article et essayons. C'est emballé dans du papier de soie comme ceci et on a un petit cœur doré avec un petit brin de blé. Et je crois que même il parfume. Bon, je sens pas particulièrement d'odeur, mais ça sent pas mauvais en tout cas. Le premier article, c'est ce pull. C'est un pull fleuri. On va dire il est pas ultra doux, mais il piquera pas. Ça va en mettre de partout. Ah ouais. C'est une taille unique, donc pas possibilité de choisir la taille. En principe, les manches, elles sont donc assez larges, elles sont pas resserrées ou quoi que ce soit. Ça, je l'avais vu sur la photo, donc... ça me choque pas. Et je sais pas si vous pouvez voir vraiment comment c'est, mais c'est des poils un petit peu qui sortent comme ça. Moi j'aime beaucoup. Mmh. Enfin la qualité et tout, ça genre. Ça vole déjà de partout. Tu vas t'asseoir dans le canapé, il y a la moitié du pull qui va rester. Mais après je trouve que genre c'est qualitatif. Le tissu il est épais et tout. Enfin il y a un double tissu. Enfin le tissu, la laine. Putain mais je crois j'aime trop. Juste ça fait bizarre en fait que les manches elles soient pas resserrées. Enfin je suis pas habituée quoi. Mais sinon j'aime bien. Genre je trouve que les couleurs ça me va bien. Sans peu. Les cheveux, il y en a partout par terre. Il y en a partout. Genre de la... que ça sort du pull. Bon bah faut pas avoir peur que ça sorte, enfin que la laine s'en aille quoi. Mais je sais pas si vous allez voir là. Voilà en fait c'est plein de petits poils comme ça qui volent de partout. Mais franchement sinon j'aime trop au niveau de la qualité, il est trop bien. Au niveau de la chaleur, enfin c'est chaleur normale quoi, c'est pas chaleur plus plus. Il gratte un petit peu, un tout petit peu, mais c'est pas désagréable. C'est pas comme les pulls de montagne ou quoi. Donc voilà. Je voulais les essayer en dernière. En fait là-dedans il y avait ce pull et un autre article, et dans un autre truc noir et ben, il y a les 3 derniers articles. Ensuite nous avons ce petit haut. Oh bah je l'imaginais pas la texture comme ça, mais je suis agréablement surprise. J'aime bien, c'est une texture un peu rainurée comme ça. Le tissu encore une fois il est hyper épais et tout, il n'y a aucun souci au niveau de la qualité. C'est une taille unique encore une fois avec les petites épaulettes comme ça, j'aime trop, je trouve trop beau. Et au niveau de la qualité il est vraiment bien. Mais il a l'air plus petit que l'autre par contre. Ouais c'est pas les mêmes tailles uniques. Ouais, ouais c'est du 100% polyester, donc c'est quelque chose d'assez extensible. Si vous êtes plus grande, plus petite, plus j'en sais rien, il n'y aura pas de souci, je pense. Ah bah tu vois pour moi c'est limite un peu grand je trouve. Genre j'aurais voulu ouais. Qu'il serre un peu plus tu vois. Ouais mais du coup taille unique, après si tu le rends dans ton pantalon. Donc du coup voilà le haut. Donc moi je trouve qu'il est un petit peu large là. Moi j'aurais bien aimé qu'il soit vraiment collé. Si je le rentre comme ça. Ouais non je trouve que ça fait encore un peu trop grand. Mais sinon ça va. Comme je vous ai dit la qualité elle est vraiment bien. Là la dentelle et tout c'est super joli. Mais ouais je trouve ça un tout petit peu trop grand. Ça baille un peu de partout. Mais sinon il est très joli, ça fait très princesse. Par contre on voit la texture de ton soutif à travers. Ah ouais. Mais je le vois un peu en caméra que c'est pas ultra... ultra opaque. Ouais. Et même sur le côté on voit ton étiquette.
Ah, on voit l'étiquette du t-shirt ? Ouais. Il est de quel côté ? Là. Ouais, donc le tissu il est pas hyper opaque. Après, bon, bah c'est du blanc donc on le sait un peu quoi. Prochain article, c'est celui-ci. C'est un gilet. Il est taille unique lui ou quoi encore ? Ah bah lui il y a pas écrit. Made in Italy, il y a marqué. Mais du coup, il y a pas marqué si c'est une taille unique ou si. Je sais plus. En tout cas, c'est soit du S, soit une taille unique, mais je pense que c'est une taille unique. Du coup, c'est un petit gilet comme ça avec des boutons. Donc il y a trois boutons. Il est ultra doux, je trouve. Je pense qu'il est agréable. Agréable ce petit haut, mais en fait je pensais le mettre sans rien en dessous, mais il a l'air vachement décolleté. Je pense que je vais pas le mettre sans rien. Là ça fait vraiment ultra décolleté, on voit limite mon soutif avec un truc en dessous, un t-shirt blanc ou quoi. Ça peut être pas mal hein. Moi j'aime bien, j'avais envie d'un petit gilet donc voilà. T'en penses quoi? J'aime bien. T'aimes bien ? On peut les déboutonner. Voilà. C'est pas mal. La couleur est plutôt jolie. C'est un bleu vert gris. Je ne sais pas trop. Mais voilà. Il est plutôt court. Enfin, du coup, devant. Mais il est plutôt court en principe, je pense que c'est fait pour être plutôt court. Au niveau des bras, moi ça me va nickel alors que j'ai des grands bras. Pour les filles qui font genre moins d'1m65, ça va peut-être être un peu grand au niveau des bras. Mais voilà. En vrai, au niveau de la qualité... C'est pas mal. Je vais remettre le haut blanc pour les jupes. Mais du coup, j'ai pris tout en taille unique. C'est sûr que ça, c'est peut-être un petit défaut qu'il n'y ait pas de taille. Ouais. Tu ne puisses pas choisir ta taille. Bah, en fait, il y a des articles où tu peux choisir ta taille, mais là, tous ceux que j'ai pris... Alors, prochain article, c'est une jupe comme ceci. J'espère qu'elle va pas être trop large, puisque je crois que c'est une taille unique aussi, ça. Dans mes souvenirs, c'était une taille unique. Mais c'est fait en Italie aussi. En vrai, je pensais que c'était fait genre en Chine et tout, mais... Ah bah celui-là il est fait en Chine. Pareil là le tissu il est vraiment enfin c'est quand même une robe, une jupe lourde hein, c'est pas, on sent que ça va, c'est de la qualité, que c'est du, il y a du poids et tout, genre ça, enfin moi je suis choquée par la qualité. Du coup c'est une taille unique, bah, je vais essayer ça hein. Bah du coup voilà. La jupe portée, j'ai tellement pas l'habitude de mettre des jupes. Moi ce que, attendez. C'est trop galère là. Moi ce que je remarque du coup tout de suite par rapport au fait que ce soit une taille unique, c'est que bah, je trouve qu'elle me sert pas assez. Ouais. Enfin ça va, elle serre et tout, genre elle me tient. Mais c'est juste que moi j'aime bien être très serrée. Et là bah du coup c'est pas le cas, mais ça va genre... Pas la perdre. Non je vais pas la perdre. Mais bon. Voilà, elle est super jolie moi je trouve. Et du coup j'avais aussi pris donc en lilas parce que en fait ça c'est mon copain qui a choisi. J'en ai envoyé plusieurs et il a choisi celle-ci. Et moi je voulais vraiment avoir une jupe lilas. Du coup bah, je l'ai pris en lilas aussi. Donc c'est parti, j'essaye. Et donc là voici la lilas. Mais je sais pas, genre, en caméra je crois je vois pas très bien, mais vraiment ça me... Le fait que ce soit pas assez serré ça me choque. Mais ça va en vrai. Ça arrive du coup au niveau du genou, juste au-dessus du genou. T'aimes bien ? Mmh. C'est vrai ? Ouais. Donc du coup voilà pour le petit crash test de Gracie. Donc les points positifs c'est que il y a quand même vachement de produits. Ils en sortent toutes les semaines. Il y a toutes les semaines des nouveautés sur le site. Ensuite j'avais essayé d'envoyer un message sur l'Instagram de Gracie et on m'a répondu dans la journée. Donc voilà, c'était hyper cool. Donc si vous avez une question ou quoi que ce soit, vous pouvez leur poser, ils répondent hyper vite. Ensuite moi un petit point qui m'a un peu embêtée, c'est que moi je suis arrivée sur le site à un moment, je sais pas, j'avais envie de faire ma commande et en fait le truc c'est que je me suis retrouvée avec beaucoup de produits en rupture ou ma taille qui n'existait plus. Par exemple les chaussures, il restait plus que du 41, moi je fais du 39. Les articles sont hyper rapidement en rupture et en plus de ça il y a beaucoup d'articles du coup qui sont en taille unique puisque moi je suis tombée que sur des articles en taille unique, voilà. Mais sinon franchement bravo à eux puisque du coup au niveau de la qualité c'est nickel. Je pense qu'ils choisissent vraiment les personnes avec qui ils travaillent et ils font vraiment attention de la provenance aussi puisque j'ai vu que cette semaine ils ont sorti des produits qui étaient fabriqués en France, donc ça c'est super cool. Ça peut aussi aider donc les petits producteurs français de vêtements. Et puis du coup au niveau des prix je trouve que c'est pas forcément hyper exubérant le prix que c'est, même si ça pourrait paraître vraiment énorme, mais je pense que quand on est un petit revendeur comme ça c'est quand même assez compliqué de baisser les prix. Ils achètent pas non plus en quantité
quantités énormes et du coup ils ne peuvent pas baisser les prix ou négocier avec les personnes à qui ils achètent les vêtements. Et du coup je trouve que ça va, c'est raisonnable, ils ne gonflent pas les prix ou quoi. Aussi, autre petit point, si vous êtes maman ou parent et que vous avez un enfant, et bien ils ont sorti des collections matchy matchy avec une chemise pour la maman et pour le bébé qui du coup sera la même. Oui. C'est quoi? La tarte aux pommes. Oh. Il y a deux parts. Je pense que ça vous ferait votre petit goûter, votre petit dessert ce soir. Oh. T'aimes bien ces vêtements? Ouais. Si, j'aime bien le haut. Et ça là? C'est la même. C'est la même. Mais pas la même motif. Moi je préfère ça. Celle-là? Ouais. Mais du coup personnellement je pense que si je devais me racheter des vêtements, eh bien je n'hésiterais pas à retourner sur leur site parce que je trouve que leur e-shop est vraiment bien, que les prix sont raisonnables et puis aussi c'est important d'encourager les personnes qui ont des nouveaux projets et tout ça, donc voilà, je trouve ça super cool. Donc vous dites-moi en commentaire si vous avez déjà commandé sur ce site, aussi si vous connaissez ce site internet là, si les crashes du coup de marque vous intéressent. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous !